Salut à tous les amis, c'est LOL Touplay et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur StarCraft 2. Pas mal d'entre vous l'attendaient, cette vidéo, ça me fait plaisir de la tourner pour vous. Et donc, let's go en interrogeant Ticus tout d'abord. Ton pote Horner m'aime pas trop. D'accord. Faut fêter ça. Qui n'a rien à dire en plus. Bref, vous êtes retourné voir ce que le Protoss voulait vous montrer. Ouais. Les souvenirs brillent autour de vous. Oh, les souvenirs brillent autour de moi. Un machin vraiment malsain. Il essayait de corrompre les conservateurs Protoss. Ah oui, c'est vrai, les hybrides. Contrôler un truc. Ceux qui l'ont fabriqué, bien sûr. C'était seulement le premier d'une longue série. Ouais, c'est sûr. Un mauvais présage, man. Ils seront bientôt innombrables. Et ce qu'ils annoncent fera pleurer les étoiles. Comment c'est tellement lyrique. Je ne sais pas. Ce lyrisme. Mais je sens que c'est la vérité. Ah bah alors s'il sent. Bon, bref, passons à la télé. Un peu d'embrouille à la téloche, ça fait pas de mal. Tony Vermillion. Elite Torrent Shifted revient avec un tout nouvel album. I Kiss Berserk. Du rock à l'état pur qui va faire crier toute la galaxie. Déchaînez-vous sur les tubes-câbles. Je suis Murloc, puissance de la Horde. Au sombre héros de la Lune, le parking des anges de l'enfer. Porte-nef particulier. Quelque chose de Tarsonis. Anti-resocial. Hôtel Marsara. Actuellement tourné dans votre galaxie. Oh yeah, c'est métal. C'est le cas de le dire. Oh, c'est le rock de la galaxie StarCraft. Oh, ça, c'est excellent. Ok. Bon, bah, nickel. On va faire un petit tour à l'armurerie. Est-ce qu'il a à nous parler, ce cher Swan? 9, cowboy. Oh. T'as pas l'air en super forme ces temps-ci. Enfin, je veux dire, encore moins que d'habitude. J'ai juste pas mal de trucs sur le feu en ce moment, Swan. Tu sais ce que c'est? Non. Ouais, bien sûr. Tu sais que tu devrais essayer de lever le pied de temps en temps. Non. Et même de roupiller un peu. Oui, maman. Je m'en occupe tout de suite. Oui. Bon, est-ce qu'on a du fric? 25 000. Ah oui, j'avais déjà fait les emplettes juste avant. Bah, laboratoire alors, écoutez, hein. On a que ça à faire. Hanson. Soyez prudent, Jim. Vous êtes en train de vous perdre dans ce cristal. Oh, mais non. J'en sais rien. D'accord. J'en sais rien. D'accord. Alors ça, voyons voir ce que ça donne. Putain, ces arbres. L'échantillon essaie de s'échapper. J'ai injecté plusieurs nouveaux acides dans la solution de nutriments. Avec le temps, ils vont percer la cuve. Je me demande si le commandant Raynor pourrait poster des marines ici. Non, il va vouloir le détruire. Je n'ai pas encore appris tout ce que je pouvais sur cette chose. Un progrès, j'ai appliqué une dose concentrée de rayons sigma sur certains tissus, et sa croissance et ses mouvements ont ralenti considérablement. Générer un tel niveau de radiation sans danger sur un champ de bataille demanderait un travail énorme, mais ça en vaudrait la peine. Une autre découverte qui m'effraie beaucoup. J'ai réussi à cartographier l'ADN d'une cellule cérébrale, ce qui m'a permis de remonter des milliers d'années d'évolution en arrière. Et j'ai isolé la souche dont dérivait le maître esprit. Ce n'est pas suffisant pour le cloner, mais je pourrais suivre cette branche pour étudier comment il contrôlait les ergs. Alors, de toute évidence, c'est un émetteur d'énergie. Ah, mais ça, je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà lu, ça se sort toujours à rien. Les recherches, je crois que j'avais déjà fait, oui. Oui, on est arrivé au bout des recherches, il nous manque plus que les recherches Protoss. Ok, bah c'est parti. Let's go to the passerelle. On va pas faire le cristal, hein. On l'a fait déjà la dernière fois. Pourquoi il y a des lags là? Bref. Oh là. Heureux de vous retrouver, commandant. Qu'avez-vous découvert avec le cristal cette fois? Ça se voit tant que ça. Serratul a apporté les fragments de la prophétie dans un temple, une bibliothèque. Une bibliothèque. Mais un étrange hybride de Protoss et de Zerg avait pris le contrôle de l'endroit. Vous voulez dire une sorte de Protoss contaminé? Ouais, c'est ce que je viens de dire. Non, pas du tout comme une contamination. Plutôt comme si on avait pris les forces des deux espèces pour les mélanger. Franchement, si des trucs comme ça existent vraiment, on va avoir de gros problèmes.
Il y a un petit problème dans la plantation. Enfin bref. Oui. D'accord, alors je ne sais pas ce qui se passe. Mon jeu est au ralenti, de l'extrême ralenti. Oh purée, mais c'est quoi ces lags? Oh là là! La ça lag pas mal, hein. Écoutez, je vais faire une pause, je reviens, je vais voir ce qui se passe, et puis je reviens. A tout de suite. Chers amis, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de mon ordi. Bon, j'ai fermé quelques pages internet et tout le bordel. Je sais pas si ça va changer quelque chose, mais bon. Bref, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider le docteur Hanson. Perspective de recherche. Malgré un environnement paradisiaque, la proximité du... Mes concitoyens ont installé une nouvelle colonie sur Havre. Ah oui, c'est les Vikings, la technologie. La colonie est devenue subitement silencieuse. Ils ne répondent sur aucune fréquence. Nous devrions aller voir ce qu'il en est. Ils ont peut-être été exposés au virus Zerg et ils sont aux limites de l'espace Protoss. Jim, j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave. Ça m'étonnerait pas. Let's go! Nous sommes presque à Havre, mais il n'y a toujours aucune nouvelle. Commandant, il y a une flotte Protoss en orbite. Ils bloquent toutes les communications avec la surface. Et on dirait qu'ils sont en train de charger leurs armes lourdes. Oh. Jim, il faut les arrêter. Matt, mets-nous en contact avec les Protoss. Voyons s'ils sont d'humeur diplomatique. Yo! Tao Tassadar, James Raynor. Je suis l'exécutrice Selendis. Yo! Nous savons votre courage et les services rendus sur Ayur. Entao Tassadar, Selendis. Oh, il parle proto. Sans vouloir vous offenser, votre flotte doit se retirer. Les habitants de Havre ne sont pas une menace pour vous. Nos observateurs ont détecté des spores de Rugiserg qui infectent les colons. Ils doivent être purifiés. Si vous souhaitez accomplir cette mission à notre place, nous vous le permettons. Sympa. Certains d'entre eux sont peut-être infectés, mais vous ne pouvez pas laisser les Protoss les tuer tous. Si vous tenez les Protoss en respect, je sais que je pourrais trouver un remède. Oh non ! La purification par le feu est le seul remède à la contamination Zerg. Vous savez que c'est la vérité. Oh non, ils vont me demander de choisir. Je peux les soigner, Jim. Croyez-moi. Si vous choisissez de nous résister... Nous nous affronterons en un glorieux combat. Le choix vous appartient, James Raynor. Nous attendons votre réponse. Oh non! Ah, on a besoin des recherches Protoss. Parce que point de recherche Zerg, on s'en fout. Désolé! Oh. Non. Ouais, je... Désolé, Hanson, ma chérie, il n'y aura pas d'histoire d'amour entre nous. Je préfère les Protoss. Ouais! Je suis vraiment désolé, Ariel. Mais l'exécutrice a raison. Croyez-moi, vous ne serez pas venu jusqu'ici sans savoir de certitude. Rappelez votre flotte, Selendis. C'est une affaire entre Terran. Je vais m'en occuper moi-même. Quoi? Ce n'est pas juste. Je pensais que vous valiez mieux que ça, Jim. Ouais. S'il y avait un remède, vous l'auriez déjà trouvé. Oh! La seule chose qu'on... Tu branles rien! Une bonne fois pour toutes. C'est inacceptable. On pourrait les sauver tous. Le traitement est presque au point. J'en suis sûr. Oh! Honneur à vous, James Raynor. Vous avez toujours été un véritable ami des Protoss. Ouais, moi je garde mes vieilles amitiés. Si la tâche est douloureuse, sachez que par vos actes, vous sauverez un nombre de vies plus... L'autre, il me fait un point pouce, là, derrière, là. Genre, vas-y. On a déjà tous pris des risques pour ces gens plus d'une fois. Il ne reste qu'une façon de les aider maintenant. Faut sauver ceux qui peuvent l'être. Et tuer les autres. Je sais que c'est terrible. Mais si on parvient à détruire les sites contaminés, on empêchera que le reste de la planète soit submergé. Rien qu'un bon petit feu de joie ne puisse soigner. Par contre, il y a un sacré terrain à couvrir. On n'aura pas les troupes pour être partout à la fois. T'inquiète pas pour ça. Swan est déjà sur le coup. Ouais, je m'en suis occupé. J'ai dû négocier quelques faveurs pour avoir les plans de montage de ces bébés. Tu me dois une fière chandelle, cowboy. Oublie pas que ces lascars peuvent passer de l'air au sol chaque fois que ce sera utile. Yeah. Ils vont faire toute la différence. Mais on dirait que certains colons sont déjà en train de se transformer. Et ces bâtiments-là, ils
sont en train d'en contaminer d'autres. Assez discuté, allons-y. Ça a l'air assez dégueulasse. Putain, mais on a fait de la peine à l'autre, là, à la chercheuse, là, qui se touche, là, pendant je sais pas combien de temps, là, pour trouver ce remède à la con. Bon, en tout cas, vu qu'on avait déjà tout dans les recherches Zerg, voilà, autant mettre dans les recherches Protoss, c'est plus utile. C'est plus utile, ouais. Et puis, je sais pas, j'avais pas envie de me mettre en rogne et de devoir affronter les Protoss en même temps, vu que c'est... Si jamais, jamais... Copain. Voilà. Enfin... Bref, là je suis du Havre. Il n'y aurait pas d'histoire d'amour entre nous. Enfin, peut-être pas. Ça se trouve si, hein. Qui sait ? La chute de Havre. La contamination devient de plus en plus dangereuse avec le temps. Éliminez-le rapidement pour éviter qu'elle ne devienne une menace sérieuse. Ouais. Elle ressemble étrangement à la planète Terre, cette. Cette planète. Tech. Allez, c'est parti. Let's go for the action. Oh. Source de contamination détectée. Commandant, ce bâtiment virophage propage le virus Zerg parmi les colons. Il faut détruire tous les virophages. Plus il y en aura, plus nous aurons de personnes contaminées à combattre. Oh. Commandant, je détecte des Zergs volants de grande taille, correspondant au profil des seigneurs vermines. Soyez prudents, ils sont redoutables contre les cibles au sol. D'accord. Alors, ah, c'est vrai que... Les airs. Où sont mes Vikings? Dans ton... non. Voilà. Bref. Ah, yeah, les Vikings. Putain. Oh, les lags. Putain. Oh, là, là. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle, les amis. Ça y est. J'ai reçu... Restez concentrés. Ma paye. Je veux que tous ceux qui quittent le vaisseau portent une combinaison. La dernière chose dont on ait besoin, c'est d'autres gens affectés. Effectivement. Donc, je disais, j'ai reçu... J'affecte aussi les Marines, mon frère. Je maintiens mes ordres. Ça ne devrait pas être un problème pour toi, Ticus. Ouais. Oh, j'ai entendu, tu seras toujours dans une armure, puisque t'as un vieux prisonnier. Mais je disais, oui, j'ai eu ma paye, et donc, je vais pouvoir enfin commander, mon ordinateur, sûrement ce week-end, peut-être. Je dis bien peut-être, hein, c'est vraiment pas sûr. Ce week-end, ou un autre jour, je sais pas, mais... En tout cas, dans pas longtemps. Oula, mais... Tac. Fini les lags, bonjour la qualité, enfin voilà, quoi. Hein. Prêt pour la guerre. Fini les années de galère. Bon, on va aller... Détruire cet endroit. Ah oui, alors là... attendez, ce qu'on va faire, on va en faire plus. On va plutôt se concentrer sur... On va faire un flammeur. Parce que les flammeurs vont bien pouvoir tout cramer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur une production de vikings. De fou. On va faire un deuxième assimilateur. Oh, on en a trois assimilateurs de Vespen. C'est bien ça. Hop. Tac. Voilà. Hop. Ouh là 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 là. Purée. Alors là, je sais pas pourquoi c'est la première fois que ça lag autant sur StarCraft. Bon, bref, on va faire des vikings à foison. On va privilégier les vikings plutôt que les unités au sol. Ça va pas vraiment nous servir. Non merci du feu, j'en ai pas besoin. Ah oui, parce que j'ai fait des flammeurs. Ouais. J'ai peur. LOL. Voilà, on a deux assimilateurs. On va avoir la masse de Vespen. Ça va être sympathique. Et on va tout de suite se rendre sur les premiers lieux de... Des crimes d'infectation. D'infection, pardon, pas d'infectation, ça ne veut strictement rien dire. What? Quoi? Ah, d'accord, j'avais pas vu, excusez-moi. J'ai plus de. Tac. J'ai plus de centre de dépôt de ravitaillement qui sont automatiques, c'est vraiment très très pratique. Hop, on va faire un tank. Allez, pour se défendre. Hop. Toujours plus de VCS. C'est quoi ça? Ah, c'est une tente. Système de transformation opérationnelle. Conçu pour le combat. Très bien. Ouais, en fait, finalement, on va peut-être faire...
Des marines, c'est tout le bordel, hein. On va en faire beaucoup. Tac, tac, tac. Ouais, on va économiser un peu. Hop, il y a des Zerglings. Bon, heureusement, ils vont à deux à l'heure. Ces pauvres Zerglings. On va faire un tank, vous allez voir, le tank, ça va être monstrueux. Hop, et voilà, un tank. On va le foutre en hauteur. Vous allez voir que ça va être monstrueux. Ah, shit. Oh, non, 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 non. Putain. Oh, ils sont en train de niquer mon tank. Ah. Oh, putain. Ils m'ont bousillé mon tank. Vous êtes sérieux, là? Oh, mais, hey, mais ils se ramènent. Ils sont combien, là? Ils sont combien, là? Oh. Putain, c'est bon, là. Oh, mon tank. Oh, mon tank. Bon, on va le faire directement là. On va le mettre en mode siège. Il va tout déglinguer. Hop, on va mettre la mule. Je me suis loupé d'ailleurs. On va faire des dépôts de ravitaillement et let's go for the Viking. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'est fait. On produit un peu de... On va faire plus de Viking. Ah, j'ai pas assez de... Hop, dès que j'ai 150. On fait tourner le matos. En tout cas, le V-Spawn, voilà, hein, pas de problème avec ça. Voilà, hop. Tac, voilà, et ça, on va le poster. Absolument. En mode siège. Boum. Ah ouais. Ah. J'espère que c'est du sérieux. Par contre, ouais, on va bien les laisser là. Parce que comme ça, il va pouvoir les déglinguer tout seul. On va faire. On va faire des tourmenteurs aussi, hein. Ouais, tourmenteurs, ça me semble bien, ça. Tac. On attend. On va faire une vague de deux, encore de deux vikings. Pareil au pillage. Et après, on va aller s'attaquer pour finir ça rapidement. On va aller s'attaquer au truc gyro, je sais pas quoi. Hop, voilà, tu... Voilà, ça c'est nickel. Pareil au pillage. Comme ça, ils approchent pas. Voilà, on attend ces deux-là et après, on y go. On va peut-être rajouter... Excusez-moi, ça c'était mon Facebook. On a rien entendu. Hop. Ok, donc ça se présente plutôt bien. Ce qu'on va faire aussi, je pense, c'est qu'on va construire une deuxième caserne. Mais on va mettre un réacteur pour avoir plus de marines facilement, quoi. Parce que là... Bon, au résultat, il n'y en a aucun qui passe, hein. Par contre, il faut que je me magne. Là, va falloir... va falloir... Tac, voilà. Allez, let's go. Let's go, let's go, let's go. C'est parti. En avant, les amis. Quoi? Oh non, t'es pas sérieux là. Ah, c'est bon. Tac. Voilà, bim. C'est parti, les amis. Allons péter du zerg. Par contre, ce que je vais faire, ça va être tout simple. On va faire. On a une... Oh bon bref, un centre technique, j'arrive jamais à le dire en anglais. On pète tout, hein, là. Tac, voilà. Hop. 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 Les contaminés se dirigent vers un site habité au sud. Tac, tac, tac. Ok, ok. Hop, voilà. Un petit réacteur. Voilà, répare ça, ouais. Fais-moi, tac, tac, 4 dépôts supply. On va mettre des tours, des tourelles de défense. Hop, voilà. Et là, c'est parti. Voilà. Ça ne sera pas emmerdé. Ok. On y court ou on y vole ? Les deux, vous pouvez y courir, vous pouvez y voler. Ce tank est très utile, mine de rien. Ouais, tous les petits infectés qui se ramènent, bim ! Ils n'existent plus. Par contre, alors, faudrait que je vois... Ah ouais, faudrait que je fasse une armurerie. Il n'y a plus aucune biosignature Zerg dans ce campement. Bien joué, commandant. Ce que je vais faire, c'est que... On va voir si je peux... Ouais, une armurerie, ça c'est bien ça. On va pouvoir les améliorer, nos... Tac. Encore une mule. On a une économie tout à fait stable. Hop. Ça, on les reprend. Schleck.
On va ramener les deux nouvelles recrues. Et on va aller se faire le prochain site. On va avancer nos troupes. Tac tac tac. Niaou. Hop hop hop. Système de transformation opérationnelle. Alors, let's go. Alors ici c'est une base Zerg, donc faut faire. Ouais, par contre. Voilà. Paré au pillage. Alors vite parce que là je vais me faire zigouiller. Hop, on nique d'abord les hydralisques, ouais c'est ça. Tac, par contre ça fait très mal hein. Hop, et on pète tout. On pète d'abord ça pour éviter de se faire shooter nos unités aériennes. Tac. Hop, hop, hop. Tac. On bute tout. Ce que je veux faire, c'est que je vais faire des tanks. Allez, on va faire des tanks pour aller plus vite. Hein. Comme ça, on va pas se faire chier. Tac, on va prendre ça. On va faire... ouais, ça va. Ça va le faire. Petit lag. On va faire du... Ah, par contre, là, niveau... ce qu'on va faire aussi. Mais il faut tout de même y aller pour détruire les bâtiments et empêcher la contamination. On va faire plus de spatioport pour accélérer là. Parce que sinon on va mettre 50 temps. Hein. Allez, continue à produire. Hein. Là, ils vont plus pouvoir produire de roach normalement. Là, ça je sais pas ce que c'est, grande aiguille, je sais pas ce que c'est. Ah ici ils attaquent. Hein. Tac, sauf qu'ils y arriveront pas. Hey. On va faire du tac dépôt supply. De la mule. Je suis dans la mouise. Pas assez de minerais. Hop hop hop. Ça, on va péter ça. Et on pète tout. Bon, là, c'est un petit... Oh, holy shit. Ouais, on va voir s'ils arrivent. On va voir s'ils arrivent à attendre. Et de 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9. Non, en fait, c'est un massacre. Hein. Y'a rien à dire. Ça, je vais tous les baisser. Voilà. Ça. Paré au pillage. Tac. Paré au pillage. Tac. Le dernier tank. Bon, ça, on va l'emmener là-bas parce que hein, sinon, on va mettre 50 ans. Butez-moi les dominants! Purée, ça met... ouais, c'est vrai que ça met 50 ans, hein, par contre. On va les mettre en mode siège juste pour le fun. Vous allez voir que ça va aller à... ça va aller. Vous allez voir que ça va aller vite. Tac et tac. Alerte. Mais non. Des stress. What? Ah d'accord, ils arrivent quand même à faire des dominants. Ah mais si, ça pourrait être une deuxième base, d'accord. D'accord, alors là par contre va falloir vite. Va falloir Commandant, ouais. Un autre site est en train d'être contaminé par les ergues. T'inquiète pas Robert, ça va être vite réglé. Là, je suis en mode production. Allez, intense. Le secteur est sécurisé. Beau boulot, les gars. Maintenant, en route vers la zone suivante. Hop. Oula, point de sauvegarde. Ici, c'est bon. On va pouvoir aller s'installer. On ramène tout. On ramène tout à la base. Et on va aller attaquer au sud, plutôt, parce que là... Tac, ouais, on va attendre d'avoir tous nos vikings. On va faire les... Tiens, on va faire les mercenaires. Ah, mais j'ai pas assez de minerais.
Bon, ici ça résiste, hein, gentiment. Tac. Bah tiens. Tiens, d'ailleurs, Anna, il va venir, il va se mettre là et va construire un centre de commandement. Alors. Ok, on attend la dernière vague. Juste pour le fun. On va maxer les tourelles de défense. Comme ça, on est sûr d'être protec. Tac. On attend la dernière vague et on y va. Hop. On va les positionner ici. Par contre, ouais. Ici, ici. Vous allez voir que ça va être monstrueux. Monstrueux. Barré au pillage. Pas assez de minerais. Hop, let's go. Bah, c'est bon, hein, les amis. Je crois qu'on peut y aller. Allons leur péter la gueule. J'espère que c'est du sérieux. C'est parti. Oh là là, on va mettre du sale. Ouais, croyez-moi. Oh putain. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ouais. On va faire le tour, hein. Bon, on leur déglingue leur mutalisque parce que nous, on est comme ça. Oh, il y a un piaf. Excellent, excellent. Ouais, c'est une planète, ouais, plutôt forestière. C'est assez sympa niveau décor. Je trouve que c'est plutôt varié. Il y a plein de... Ouais, ils ont quand même... ils ont mis le paquet un peu niveau artistique et tout ça. Tac. Yo les bitch. Je m'incruste. On va vite déglinguer cette daube. Tac. Hop. Alors ça va être la... la monstruosité la plus totale. D'après Stedman, le docteur Hanson s'est enfermé dans le labo. Quoi ? Elle veut sauver les siens à tout prix. Je crains qu'elle ne fasse une bêtise. Je suis désolé. Oh non. Mais les Zergs se sont emparés d'un autre site. Oh non. Que ce site est désormais sécurisé. Me dis pas. Oh, elle s'est enfermée dans son labo. Oh putain, ça va être la merde. Oh, me dis pas qu'on va devoir la tuer quand même, hein. Pas assez de minerais. Pas assez de minerais. Ah, j'ai pas assez de minerais là. C'est sûr que ça commence à devenir critique. Ok. Tac, allez, hop, en l'air et on y go. On va au sud. Oh putain. Oh putain. On y court ou on y vole ? Ça. Hop, hop, on pète tout. Par contre, ils m'ont pété un tank. On leur zigouille leur muta. Ah, les chancres. Putain, les chancres. Hop, on met tout à terre. Tac, tac, tac. Hop, on pète tout. La bataille. Par contre là ça va être chaud patate. Heureusement on a un tank. Ouais, il y a le tank, il est... Oh, c'est quoi ce truc? Aberration. Ah oui, pour le coup ça c'est une aberration, hein. Oh les shit. J'avais pas vu ça par contre. Je les retiendrai pas tout seul. Tac tac tac. Ah mais c'est ignoble, une aberration. C'est quoi cette merde? Tac. Pétez-moi tout ça. Oh, ça crame bien là. Hop, bon, ici c'est bon. Tac, on va envoyer nos poteaux là-bas. On va mettre du Vespen. Hop là. On pète tout là. On nique les bases, bon c'est bon là, je crois qu'on a bien avancé. Bah, le problème c'est le docteur machin là qui s'est enfermé là, putain. Ça c'était pas prévu quoi. Un autre site est en train de se faire attaquer. Ah, c'était pas prévu ça. Ah là 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 là.
Elle est chiante. Bon, écoutez, on va y aller comme ça, hein. Voilà. Ah, comme ça. On dirait que cette zone est sécurisée. Continuez, les gars. On peut y arriver. Hop. Attendez, on va péter ce truc. Conçu pour le combat. Tac. Voilà. Ben nickel. On va mettre de la mule. Plein de mules. Y'a que ça de vrai. Toujours plus de vikings. Tac. Là, on va rajouter. Ok, bon. La bataille nous attend. Bon, on avance plutôt vite. Il en reste 3. D'accord. Bon, on va aller ici. Ouais, on va aller ici. De l'aide, ça serait pas de refus. Bien reçu. Ça va chauffer. Alors, d'abord les mutas, bien évidemment. Parce que sinon, voilà. Ils vont niquer toutes nos unités au sol. Oui, parce que les mutas, c'est un petit peu cheaté. Ah, mais c'est ignoble là. C'est quoi ça, toutes ces saloperies là qui volent. Ça en pète. Ça en pète. On pète. On pète. Et maintenant. Ça, ça, ça. Et maintenant. Tac, 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 tac. La bataille nous attend. Yeah. On est arrivé à temps avant que tout soit contaminé. Et merci. De rien, je suis normal. Bon, avant, on va faire un petit tour ici, ouais. Tac, tac, tac. Il y a des ouvriers qui foutent rien. Mais ça, c'est pas grave, hein, c'est qu'un détail. On va pas. Alors ici, niveau 3, bon, ils sont complètement cheatés au final. Système de transformation opérationnelle. Tac. Prêt pour la guerre. Bien sûr. Hop, ils vont aller là-bas. Et on va finir cette mission. Ce tank est très très utile. Il a pas perdu un pet de vie. Ici on est peinard aussi. On va faire peut-être un petit peu plus de. On va mettre du dépôt supply. Ils m'ont attaqué. Tout sérieux. Ah ici, il y a des citoyens, d'accord. Ah, faut faire gaffe qu'ils viennent pas contaminer. Bon là, pas de problème, hein. Il y a des aberrations. Bon, regarde-moi cette armée. Et hop, yo, on s'incruste. Tac. Ah ouais, alors par contre. Zone d'atterrissage impossible. On va faire. Tac, on les fait tous atterrir, voilà, yo. On atterrit au milieu. Salut les gens. On s'incruste. Ha ha ha. Tac. Ah ouais, parce qu'ils pouvaient faire des marines infectées. Oh, il y a une aberration qui m'attaque là. Ah, une aberration. On en laisse quelques-uns en l'air. Bon, par contre, ils vont se faire déchirer par ce truc. Oh, il y a une aberration là. Ah, voilà, ça a été chiant. Ah, mais il y a des cocons et tout, berk. Commandant, les contaminés se rapprochent d'un site plus au nord. Touk touk touk. Et nous, on continue la prod de Viking, comme ça, gentiment, sans se presser. La bataille nous attend. Allez, on pète ça. Rien ne vaut un bon raid. Victoire. Ah oui, mince, par contre, alors là. Alors, vous, au lieu de. Voilà. Ah ah. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi, saloperie. Hop. On détruit tout. Ah mince, par contre, ils ont capturé un nouveau site. Ce qu'on va faire. Oh, je sais, regardez. Ça va être complètement épique. Je détecte encore deux concentrations de biosignatures Zerg. Ici, on va aller ici. Point de sauvegarde. On va aller ici avant que tout soit contaminé.
On va aller tout péter. Ici, bah, il résiste, hein. Regardez, bah, il résiste. Barré au pillage. Voilà, c'est ça. Amenez vos mutas, les mecs. Amenez vos mutas. Offensive. Le bourreau de l'or. Bon, là, ouais, c'est gagné. Hein. Allez, pauvre. Tac. Bien sûr. Eh non, les mecs, vous avez pas mis assez de moyens. Hop. Eh non, les mecs, désolé. Ah, ça gêne. Ah, ah. Mais merci. De rien. Oh. Oh, ici, faut. J'avais pas vu ici, mais. Eh, hey, ils essaient de. Tac. Bon, bah. Let's go. Attendez, je rassemble un peu tout. Voilà, et on va finir là-dessus. On va finir là-dessus. Par contre, c'est. Ouais, il y a encore la question du docteur. Mais c'est quoi ces piaf? Un Urubu. Ah! Il va décéder le Urubu. Wouh! Oh, il a explosé. Mais non! Ici il résiste. Bah oui, voilà, il résiste tranquillou. Regarde-moi tous ces vikings, hein, ça devient n'importe quoi. On va péter ces mutalisques. Tac, lui il a pas compris. En mode furtif. Les mutas. Hein. Tac, hop. Hop. Les mutas, les broods. Hop. Yeah. Les dominants aussi, hein, c'est utile. Et hop, et maintenant. Yeah, man. Toc, tu pètes tout. Tu pètes tout. Voilà. Ça, c'est du travail bien fait. Voilà. Nickel. Je ne détecte plus aucun zerg. Oh, yeah. Nous avons un problème dans le laboratoire. Oh, no. Oh no. Hey, 2 au fait, yeah. Nice. Là, on a parfaitement 3 au fait même. Mission du docteur Ariel Hanson. Nickel. Oh bah putain. Wouh. C'était chaud. Non, je déconne, c'est pas chaud. C'était bien marrant. Finalement, j'aurais plié cette mission en pas très, très longtemps. Et cette image qui est complètement épique, avec de la fumée rouge. Mais que va devenir le docteur Hanson? Va-t-elle faire la bêtise, the bêtise, dans son laboratoire enfermée toute seule? Surtout si elle a des seringues un petit peu partout. Ça risque d'être bien glauque tout ça. Finalement, j'aurais peut-être dû l'accepter. Mais de toute façon, à chaque fois, on regrette. Hein. De toute façon, on serait tapé les protos si j'avais refusé en plus. Au pire, j'ai fait le bon choix, je pense. J'avais plus besoin de points de recherche Zerg. Oh. Oh, oh. Genre, avec l'armure, il allume les lumières. T'es. Clic. Ariel. Vous êtes là? Non. Matt, verrouille tous les points d'accès. Ah. Ça se trouve, c'est une. Elle s'est cachée dans le. Elle s'est cachée dans le cristal. Ah non, elle s'est cachée dans le plafond. Oh non. Oh non. Oh non. Ah. Oh, j'aurais été sûr. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Oh mon dieu. Fermez les yeux. Oh, elle a été infectée. Non. Ça te fera plaisir. Oh. Oh, c'est con. Tu auras plaisir à me tuer. Comme tu as tué mes enfants. Vous êtes infectée. Vous êtes déjà morte. Oh. Ce drama. Oh, oh, comment il l'assassine. Oh, c'est un espèce de piaf en fait.
Ah. Oh, dégueu. Adieu. Oh, oh le shot. Oh, c'est... Oh, c'est horrible. Il manque la petite musique avec les violons. Oh. Ça, c'est dur. Ça, c'est très très dur. Oh, c'est horrible. Oh là là. La pauvre. N'aurait pu être heureux et avoir beaucoup d'enfants. Ah, nouveau mercenaire, nouveau projet de recherche. Bon, on va voir tout ça. Alors, mercenaire. Il y a des tas de gens qui sont prêts à se battre, si on y met le prix. Oh, bah t'inquiète, hein. Les anges de l'enfer. Ouh. Oh, ça a l'air d'être trop, trop puissant. On va les engager. Yeah. Bienvenue dans l'équipe, les amis. C'est parti pour le labo. Oh, excusez-moi, le téléphone. Je reviens tout de suite. 2 secondes. Mais les erreurs de numéro en pleine vidéo. Je t'en foutrais, moi, des erreurs de numéro. Enfin, bref. Et on peut voir que, notre cher Hans nous a quittés. Monsieur, vous devriez jeter un œil à... Lui, il s'en fout, c'est... Nous avons fait d'intéressantes découvertes. Lui, il s'en fout carrément. Il en a rien à carrer. Bon. Yeah. On peut choisir entre deux nouvelles recherches. Vaisseau scientifique. Détecte les unités ennemies camouflées ou enfouies. Puis radier les unités ennemies. Répare les unités mécaniques proches. Construit spatioport. Ah, construit au spatioport, d'accord. Oh, ça, les corbeaux. Non, écoutez, je vais faire le vaisseau scientifique. Tac, voilà. Corbeau, c'est pas... Voilà, quoi. Ok. Bon, Hanson nous a quitté. C'était assez horrible. En tout cas, on va retourner à la passerelle. J'espère que... Non, pardon, c'était au bar. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire. Et abonnez-vous pour voir la suite. Sur ce, je vous dis... À la prochaine! Salut à tous!